Martin, à table, c'est chaud. Martin, tu viens, on mange. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas entendu? Martin? J'aimerais un peu de silence. Je rappelle que je ne force aucun de vous à assister à ce cours. Mais Goethe, c'est vraiment trop ringard, et puis c'est vraiment trop loin de nous. C'est ce que tu penses, mais si tu prends la peine de le lire, tu verras que c'est une idée fausse. Bonjour. Pardonnez-moi d'interrompre votre cours, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Voici l'inspecteur Dietrich. Commissaire Dietrich. Le commissaire est venu vous parler de Martin Kumbach. Il a des questions à vous poser au sujet de votre camarade. Pourquoi? Il a des ennuis? C'est une affaire très grave. Je laisse le commissaire vous expliquer la situation. Je vous en prie. Un peu de silence. Bien. Alors, j'ai besoin de renseignements sur Martin. Je vous demande de répondre à mes questions sans rien me dissimuler. Des détails qui paraissent insignifiants sont quelquefois importants. Première chose, qui d'entre vous est Werner Bubeck? Moi, monsieur. D'accord. Si tu veux bien, on va commencer par toi. On va aller dans la salle des profs. Oui, monsieur. Tu es le meilleur ami de Martin? Oui. Tu me suis? Hé! Lutz! Rattrape-le! Ne croyez pas Martin, il vous ment. Il veut me faire plonger. Mais j'ai rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec quoi? Il a menti. Martin ment. Il ne ment pas, non. Il ne peut ni mentir ni nous dire la vérité. Martin est mort. Martin Kumbach était son meilleur ami. Werner et lui faisaient toujours tout ensemble. Rien que de penser que notre fils... Non, vraiment, c'est impossible. C'est tout bonnement grotesque, grotesque. Il n'y a pas d'autre mot. Je comprends votre colère, mais... Nous devons prendre en compte le fait que la réaction de votre fils est suspecte. Et aux yeux de la police... La police? Mais ne fait pas son travail. Comment expliquez-vous qu'elle s'acharne sur un innocent? Qu'elle lance des accusations absurdes et sans le moindre fondement contre mon fils? Il n'a rien à se reprocher. Il vous a dit pourquoi il avait tenté de s'enfuir? Nous ne l'avons eu qu'une minute au téléphone et nous n'avons pas encore pu le voir. On est tout de suite venu vous trouver. Werner a dû avoir peur et s'affoler, c'est tout. Tout le monde sait que les flics ne font pas dans la dentelle, c'est dit. Ne t'énerve pas. Non, je m'énerve, c'est vrai. Pour boucler leur enquête, ils ne se fatiguent pas. On coffre le premier venu et c'est bon. Alors, Maître Voss, vous défendrez notre fils? Oui, j'accepte le dossier. Mais j'ai besoin que vous me donniez tous les détails de l'affaire. Werner est innocent, j'en suis certaine. Une mère sans ces choses. Mon fils n'a pas tué, je le sais. Il faudra qu'on trouve des éléments qui le disculpent. Ou encore mieux, le véritable assassin de Martin Kumbach. Si j'ai votre feu vert, je vais engager un détective privé. Engager qui vous voulez, mais sortez notre fils de là. Toi et Martin, vous étiez des hackers tous les deux, exact? Je préférerais que vous évitiez de me tutoyer. Après tout, on se connaît pas? Oui, désolé. C'est parce que j'ai deux fils à peu près du même âge que vous. Un jour, peut-être que l'un d'eux se retrouvera comme toi au commissariat. C'est vrai, à 17 ans, on est parfois impulsif, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et ensuite, c'est l'impasse. Werner, je veux t'aider, crois-moi. Excuse-moi. Je veux vous aider, si je peux. Seulement, il faut me dire la vérité. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, maître. Content de vous voir. Vous avez déjà établi le procès-verbal? Non, j'ai pas eu le temps. Johannes Voss, je suis avocat. Tes parents m'ont demandé d'assurer ta défense. Enfin, si tu n'as rien contre. Ah oui, je peux te dire tu? Enfin, pourquoi ils font appel à un avocat puisque j'ai rien fait? Je comprends ta réaction, mais je vais te dire, Werner, s'il n'y avait que les coupables qui avaient besoin d'un avocat, moi, je ne travaillerais pas beaucoup.
Excusez-moi, mais je dois conseiller à mon client de garder le silence maintenant. Dommage. Votre client a autant intérêt que moi à ce que certains points soient éclaircis très vite. Enfin, voyons, vous n'avez rien de concret contre lui. Le juge d'instruction s'en rendra vite compte. Si vous le pensez. Seulement sa fuite ressemble à un aveu. Lutz, tu reconduis le jeune Boubec au dépôt. Avant, je voudrais m'entretenir un peu avec mon client. Pour ce que ça lui servira. Désolé, mais il faut bien reconnaître que le commissaire a raison. En fuyant, tu es devenu suspect. Leurs accusations ne tiennent pas debout, même si j'ai fui. Martin était mon meilleur ami. Vous entendez ? Mon ami. En route. Mon aîné a 17 ans, lui aussi. À cet âge, ils sont durs à gérer. Peut-être. Alors ? Alors quoi ? Parlez-moi de l'affaire. Qu'avez-vous comme indice ? Pourquoi accuser Boubec du meurtre ? Moi, je n'ai rien à vous dire. Demain, vous verrez tout le dossier. Voyons, commissaire. Il m'aurait tout dit. Il aurait inventé n'importe quoi. Ils font tous ça, vous le savez, comme moi. Ce genre d'aveu n'avance à rien. En fait, d'après nos sources, lui et Martin s'accrochaient. Ils se seraient beaucoup disputés, d'où notre suspicion. Nous allons vérifier l'alibi de Boubec, mais qu'il se soit enfui au moment où on est venu l'interroger, moi, ça ne me dit rien de bon. Comment Martin Combach est-il mort ? Que dit le légiste ? Fracture du crâne. Et ce ne serait pas dû à une chute ? On lui a porté un coup avec quelque chose de lourd. Selon le légiste, il est mort entre 20h et 20h30. Une heure pour une visite. Je passais dans le coin. Ah, à d'autres. Quoi, t'as besoin de moi ? Ouais, demain j'ai rendez-vous avec le juge d'instruction et je n'ai rien pour faire relâcher mon client. Est-ce que tu m'engages officiellement ? Y a un salaire à la clé ? Toujours intéressé, toi. Ah ouais, toi tu t'en fiches de l'argent. Moi je suis moins vénal, j'applique le tarif syndical. Syndical, tu parles ? Un conseil par téléphone, 47 marques 60. T'as un truc à boire ? J'ai un fond de vin au frigo, il a moins d'un mois. Bon bah donne une bière. À vos ordres, cher maître. C'est une affaire délicate. Les parents de mon client sont tellement aux abois qu'ils se raccrocheraient à n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est moi ? Ça fait plaisir, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour Yannès, on se voit tout à l'heure. On m'a confié l'affaire Boubec, une promenade de santé. Ah bah au moins, toi, tu doutes de rien. Je compte demander au juge qu'il écroute tout de suite ton client. Alors bonne chance, t'en auras besoin. J'ai besoin d'en savoir le maximum sur toi et Martin, sur vos relations, sur ce qui s'est passé entre vous mardi. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour que le juge te relâche. Allez, je t'écoute. Je suis allé voir Martin. Dans la cabane ? Oui, il bossait là. Je lui ai demandé de m'aider. J'avais une commande, un truc important. Une commande ? Tu veux dire pour pirater des données ? Pour bidouiller des programmes, disons. S'introduire dans les bases de données des autres. C'est un peu un jeu, comme le loto. Sauf que là, on peut décider quels numéros vont sortir. Tu voles des numéros de cartes de crédit sur des sites pour faire des achats sur Internet ? Non, c'est bon pour les ringards, ça. Admettons. Que s'est-il passé avec Martin ? Tous les deux, on s'est encore disputé ce jour-là. Martin voulait plus m'aider parce qu'il voulait se trouver du boulot dans l'informatique. Il avait peur de se faire choper. Moi, j'organise tout, je trouve des contacts, des gens qui sont prêts à nous filer du fric pour des données. Et lui, il veut tout plaquer. Et ça veut dire quoi, tout plaquer ? Arrêter le piratage, créer des programmes pour des boîtes. Mais moi, je suis moins bon. C'est lui qui trouvait tous les codes, les mots de passe. Pour ça, c'était le meilleur. Sans lui, j'y arrivais pas. Tu es reparti de chez lui à quelle heure ? Là, ce que vous vous demandez, c'est si j'ai un alibi ou non. Oui. Alors ?
Je suis passé voir Martin à 4 heures. Et je suis pas resté plus d'une heure. Je ne l'ai pas tué, il faut me croire, Maître Vos. Vous ne pensez pas que je suis coupable? Si. Bonjour, vous êtes Monsieur Matula? Oui, madame. C'est moi qui vous ai téléphoné. Eh bien, entrez, je vous ai fait du café. Ah, c'est gentil. J'étais le seul ami que Martin avait. C'est ridicule qu'on m'accuse, moi, de l'avoir tué. Qui soupçonnes-tu, toi? Qui avait un intérêt à ce qu'il meure? Tu connaissais bien Martin, tu as peut-être une idée. C'est la question classique. Qui pouvait lui en vouloir? Les hackers ne se font pas que des amis, c'est vrai, mais... On ne l'aurait pas tué à cause de ce qu'il faisait. Non, je crois pas. Ou ce mec est malade. On n'est pas du gros gibier. On ne descend pas quelqu'un pour ce genre de choses. Juste parce qu'il a été un peu trop curieux et qu'il est entré dans des fichiers. On ne tue pas pour ça, non? Non, on ne tue pas pour ça. Il doit y avoir une raison plus sérieuse. Sûrement liée à vos piratages. Vous travaillez pour qui? Pour qui, je ne le sais pas. On ne m'embauchait pas directement. Chaque fois, ça passe par un intermédiaire, quelqu'un qui empoche bien plus que nous, d'ailleurs. Au moins 10 fois plus. Eh, attendez, là. Vous répétez pas ça aux flics, hein? Le secret professionnel, tu connais? Et la différence entre la pratique et la théorie, vous connaissez-vous? Oui, mais tu peux te dire que je suis pas du genre à trahir mes clients. Djeko. C'est par lui qu'on a presque toutes nos commandes. Lui, c'est du gros gibier. Et il était aussi au courant que Martin voulait décrocher. Il prenait mal la chose. Vu que Martin, il en savait un peu trop sur lui. Selon lui, c'était un facteur de risque. Qu'est-ce que tu entends par un facteur de risque? Une fois hors du coup, il aurait pu nous dénoncer. Où est-ce qu'on peut rencontrer ce Djeko? Il habite où? Je n'ai pas son adresse. On se voyait dans un bar. Il est tous les jours entre midi et 3 heures au Blue Internet Café. Et si vous y allez en costard, vous vous ferez repérer. Oh! Merci pour le tuyau. Ce Djeko se chargeait de vendre les informations que vous piratiez au hasard dans les ordinateurs des sociétés? Au départ. Ensuite, on s'est organisé mieux que ça. Djeko nous disait ce que son contact voulait et nous, on l'obtenait. C'était du boulot, hein. Il y avait des fichiers hyper protégés des fois. Avec des sécurités pas possibles, des mots de passe dans tous les sens. Maintenant, les grosses boîtes emploient d'anciens hackers pour protéger leurs données. Ça fait du sport. Ils mettent des dizaines de verrous. Seulement, c'est comme pour rentrer chez quelqu'un. Quand la grande porte est verrouillée, il suffit d'aller fracturer une fenêtre. Dans le principe, c'est exactement pareil de faire un casse dans une maison et de voler un fichier. C'est un délit. Lâchez-moi, on me colle sur le dos le meurtre de mon meilleur ami, je vous signale. Alors venez pas m'embêter avec votre morale. Oh non, je me garderai de faire des reproches à ma belle-fille. Elle a fait de son mieux. Son seul tort, à mon avis, c'est d'avoir épousé quelqu'un comme mon fils. Je me doutais bien que ce bon à rien la quitterait un jour ou l'autre. Et je le lui ai dit, d'ailleurs. Seulement voilà, l'amour est aveugle. Eh oui. Et c'est qu'une fois marié qu'on ouvre les yeux. Avec son fils, Martin n'arrivait plus du tout à faire face. Il aurait eu besoin de la poigne d'un père. Martin avait un ordinateur? Il avait installé son matériel dans ma cabane. Et il avait tout refait là-dedans. Avec quel argent, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Vous permettez que j'aille la voir? Oui, je vous accompagne. Non, bougez pas. Je veux seulement me faire une idée. Je reviens tout de suite. Surtout, vous dérangez pas.
partez déjà? Sans même vous présenter, c'est pas très poli. Si vous ne me lâchez pas tout de suite, j'irai porter plainte pour tentative de viol. Ne pensez pas que c'est une menace en l'air. C'est pas beau de mentir. Tu mériterais que je te flanque une fessée, oui. Bon, et si tu me disais ce que tu fais dans cette cabane, plutôt? Ça, c'est pas vos oignons. Et lâchez-moi. Là, vous abusez de votre force. Il y a déjà un progrès. Tu parles plus de tentative de viol. Tu vois que tu t'améliores. Je pourrais te dénoncer à la police, tu sais. T'as arraché les scellés sur la porte. Faites-le. Allez me dénoncer. Ils vous demanderont ce que vous vous fichiez dans cette cabane. Là, c'est Martin avec ma sœur Monica. La cabane du jardin. Et là, avec Rolf devant le lac de Garde. Ça remonte à 2-3 ans. La dernière fois qu'on est partis ensemble en vacances. Je ne veux pas vous brusquer, Madame Comeback. Je sais ce que vous éprouvez, mais j'ai besoin que vous me parliez de Martin, comment il vivait, ce qu'il faisait. Je sais même pas comment il est mort. Il a peut-être souffert. Et peut-être connaissait-il l'assassin. Je suis ridicule, je sais. Non, non, pas du tout. Quand mon mari est parti il y a 15 ans, il a fallu que je travaille. Et Martin, déjà tout petit, il était difficile, mais il fallait bien que je fasse vivre ma famille. Alors, je sais pas ce qu'il faisait au juste, il ne me disait rien. C'est à peine si je le voyais. Il faisait un peu de sport dans une salle. Un sport de combat, je crois. Et il avait des ordinateurs, c'était sa vie. Il lui fallait des modèles chers. Il restait des nuits devant ses écrans. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça? Il fallait que je travaille. Je faisais des journées de 8 à 10 heures. Je suis convaincue que vous avez fait de votre mieux pour l'élever. Est-ce que je peux prendre une photo de Martin? Oui, bien sûr. C'est à droite, après. Tu veux toujours pas me dire où je dois te déposer? Je connais bien le coin. Tu étais ami avec Martin et Werner? Peut-être plus avec l'un qu'avec l'autre. Vous voulez savoir si je couchais avec l'un des deux, je suppose? Il y a que ça qui vous intéresse, vous les vieux. Non, c'est pas à ça que je pensais en t'interrogeant. Et c'est le cas? Vous voudriez bien le savoir. Hé, hey, où vous allez? Arrêtez, on est arrivés. Toutes mes excuses. Vous faites du karaté? Une fille doit pouvoir se défendre de nos jours. Martin fréquentait aussi cette salle? Oui, on est tous inscrits là. C'est jamais qu'une salle. Et le copain de Martin, Werner Bubeck, il s'entraîne aussi ici? On vient tous, je vous ai dit. Merci de m'avoir emmené. Ce fut avec joie. Ah, quand vous aurez fini de réparer ma mob, mettez-la là-bas, devant la porte d'entrée. À vos ordres, Altesse. Bon, je t'accompagne. Ah, si vous venez dans la salle, on ne se connaît pas tous les deux, d'accord? Vous attendez dehors 5 minutes? Sinon, les copains vont croire que je drague les vieux à la retraite, maintenant. À la retraite. Salut, je suis Paul Zindler. Vous voulez vous inscrire ou juste jeter un coup d'œil? Si vous avez une minute, j'aimerais parler avec vous de Martin Comeback, le garçon qui est mort. Oui, j'ai appris la nouvelle. C'est malheureux. Vous êtes de la police? Non, détective privé. Je m'appelle Matula. Est-ce que je peux vous poser 2 ou 3 questions? Barbara? Oui? Tu peux venir? Tu peux continuer le cours? Il faut que je m'absente une seconde. Oui, je m'en charge. Et ça va pas être trop long, au moins? Non, non. C'est ma femme, Barbara. Bonjour. Méfiez-vous, elle est ceinture noire de karaté. Je me méfie plus des jolies femmes que des ceintures noires. Vous venez?
Ça m'a flanqué un coup. Martin venait souvent ici. Et quand j'ai su... Comment vous avez appris la nouvelle? Par un de mes élèves. Un lycéen aussi. De temps en temps, je donne des cours d'initiation dans les écoles, mais c'est pas désintéressé, enfin pas totalement. Ça me permet de me trouver de nouveaux élèves pour ma salle de sport. Comme Werner Bubeck? Oui, on m'a dit aussi que c'était le suspect numéro un. Et vraiment, je peux pas croire que ce soit Werner. Qu'il puisse avoir tué son copain, c'est... Enfin, j'arrive pas à croire que c'est lui. Je pense aussi que la police se trompe. Ils étaient toujours copains? J'avais cru comprendre qu'ils s'étaient accrochés. C'est exact, mais... Les jeunes de leur âge ont parfois des petits problèmes. Dans vos vestiaires, vous avez des casiers où on peut mettre ses affaires? C'est ma femme qui s'en charge. Je l'appelle, elle va vous montrer. Barbara? Voilà le casier de Martin Comeback et celui de Werner Bubeck. Ils se sentaient un peu chez eux dans la salle. Ils apportaient pas mal de choses, c'était leur planque. Ils avaient leur secret d'adolescent. Il faudrait le passe pour les ouvrir. Oh, Paul doit avoir du mal à trouver la clé. Attendez, qu'est-ce que tu fais? Si tu trouves pas, je peux y aller? C'est bon, je l'ai. On devrait faire venir la police avant d'ouvrir. Oh, mais je veux rien emporter. Seulement jeter un coup d'œil. C'est son kimono d'entraînement. Pauvre Martin, il n'aura pas eu le temps de l'user. Allô, Helga? Oui. Dites-lui que les choses se compliquent. Ce sont sûrement les disquettes qui ont disparu de la cabane. Bizarre qu'on les ait trouvées si facilement. Comment ça, facilement? J'ai dû me décarcasser. C'était à portée de main. Des données aussi confidentielles qui valent une fortune. Qu'on ait trouvé ces disquettes dans les affaires de Werner Bubeck, ça fait une preuve de plus contre lui. Ça se présente très mal pour lui. Oui, oui, c'est sûr. Mais enquête quand même du côté d'Interpharma, tu veux bien? Je ferai mon travail. Ouais. Sans aucune concession. En supposant que ce soit Werner. Pourquoi? Juste parce que Martin l'a lâché? C'est pas une raison suffisante, ça. On a encore une carte à jouer. On n'a pas grillé toutes nos cartouches. Pourquoi tu me caches toujours des choses? Alors, qu'est-ce que c'est, cette fois? Je cache des choses, moi? Comment tu peux dire ça? J'ai inventé la franchise. C'est toi qui m'as donné une piste en me racontant ce que Werner t'a dit. Sur Jeco. Et le café QG des hackers. Le Blue Internet? Sérieusement, tu veux entrer là-dedans? T'as quelque chose contre? Bah, disons que vu la moyenne d'âge, tu vas faire un peu tâche dans ce bar. Tu risques pas d'apprendre grand-chose. On verra. Tu dragues les ados? Alors, grand-père, tu crois que t'as ce qu'il faut pour t'offrir à une petite jeune? La charmante amie Céline. Amie? Dans tes rêves, peut-être. C'est ce qui s'appelle se prendre un râteau, mon vieux. Oh, vous n'êtes pas venu seul, un peu chétif comme garde du corps, c'est pas Stallone? Non, c'est Maître Vos, avocat au barreau. Tiens donc, on sort avec son avocat. Il a voulu coucher avec moi en me forçant. Rien d'étonnant, c'est un pervers, mais on obtient facilement le non-lieu. Tu sais pas si un type répondant au nom de Jeco traîne dans le coin? Je connais Jeco. C'est pas un enfant de cœur, à votre place, moi je l'éviterai. Au moins, il ne m'accusera pas de viol, lui. Est-ce que je peux te demander un grand service? Je peux dire à Jeco que j'ai besoin de le voir, j'ai une affaire à lui proposer. Jeco, Céline veut te voir.
les mêmes qui prennent les risques. Planqués, là. Eh oui, allez au boulot, grand chef. Au cas où tu ne verrais pas très clair dans le noir, cet objet est un couteau et plutôt coupant. Tu veux que je teste la lame sur toi? Alors, c'est bon, je te crois. Excellent. D'après la rumeur, tu aurais quelque chose à me vendre qui viendrait de Martin Comeback. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Je connais Martin. Martin est mort, pauvre cloche. Tu veux t'amuser à me mener en bateau? Je veux seulement conclure une affaire. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je peux savoir comment t'es remonté jusqu'à moi? Par Martin. Il m'a parlé de toi. Il m'a filé sa camelote. Mais moi, j'ai pas les connexions pour écouler ce truc. Il t'a donné un truc à vendre? J'ai rencontré Martin à la salle de sport d'Edzendler et quand j'ai su qu'il s'était fait descendre, je suis allé jeter un petit coup d'œil rapide dans son casier et j'ai trouvé des disquettes dedans. Quel rat! Il a voulu me doubler, ce sale porc! Très bien, demain midi, devant le Blue Internet, dans la cabine téléphonique, tu ne bouges pas. Je t'appelle à midi et je t'explique la suite des opérations. C'est enregistré. Et pourquoi tu me parles comme ça? On est associés, toi et moi. Tu parles d'un associé. T'es un vrai naze. Pas d'embrouille. Compris? À midi. Demain, à la cabine. Alors? Content du voyage? Très content. On s'est tout de suite apprécié. Je suis invité à son anniversaire, d'ailleurs. Vous devriez faire attention à lui. Il passe son temps à jouer du couteau. Tant qu'il se blesse pas avec en jouant. Tu veux qu'on te ramène? Vous oubliez un petit détail? Hein? J'ai ma mobylette. Ah oui. Je te laisse. Salut. Salut. Bonne nuit, Céline. Bonne nuit. Alors, ça a été la rencontre? Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. Elle m'a dégancé un truc, je parie. À part ça, tout marche selon le plan. Seul bémol, je sais pas trop de quel plan il s'agit. Cette Gecko, c'est un malade. Un malade capable de tout. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Tu me mens encore? On a mis la main sur les disquettes en fouillant ton vestiaire. Les disquettes? Mais quelles disquettes? Le procureur est en train de les étudier. Il y a des fichiers d'un groupe pharmaceutique dedans. Les ordures. On a mis ça pour que je plonge. Qui? Qui? Qui veut que tu portes le chapeau? J'en sais rien. Ça vous rapportait combien, vos combines? Bah, ça variait. Assez pour qu'on tue Martin? Peut-être que c'était seulement un accident. La faute a pas de chance. Plus ça va, plus tu t'enfonces. Tout est contre toi. Martin a trouvé le code d'Interpharma lundi. Il y a travaillé des nuits entières. Il recherchait la formule d'un nouveau produit phytosanitaire, je crois. Le commanditaire en aurait offert 70 000 marques. C'est une jolie somme. Qui voulait avoir ce fichier? C'était Gecko. Dans le fichier, il n'y a rien à Gecko. Ce gars-là a un nom autre que ce pseudo? Pas à ma connaissance, en tout cas. Franchement, cette histoire m'a l'air tirée par les cheveux. Ce sera dur de disculper Werner Boubeck à partir de ça. Ça le disculpera. Vous avez un second suspect, quelqu'un qui possédait un mobile sérieux, connu pour être dangereux. C'est possible. Encore faut-il le prouver. Bonjour, messieurs. Alors, Joseph, vous en êtes où? Pourquoi s'embêter à chercher un autre coupable quand on en tient? Maître Vos, votre fidèle détective veut à tout prix trouver des suspects là où il n'y en a pas. Avez-vous étudié le contenu des disquettes? Mais oui, on l'a fait. Ce ne sont pas des données importantes ou de grande valeur, mais Interpharma est en révolution depuis qu'on leur a dit qu'un petit jeune les a piratés. Nos collègues spécialisés dans l'espionnage industriel s'en occupent. Oh, une bonne chose. Seulement, ils s'occupent de quoi? Pas du meurtre qui nous intéresse. Ce Gecko est suspect. Il avait un mobile sérieux. Si vous étiez objectif, vous ne négligeriez pas ce point. Oh, vous vous moquez de moi? Vous dites que moi, je n'ai aucune objectivité et que je bâcle mon enquête? Non, ni lui ni moi, nous ne disons ça. Il ne faudrait pas abuser non plus. Puisque vous voulez du tangible, tenez.
Si ce n'est pas une preuve, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un mourant s'amuserait à écrire ça, selon vous? On ne sait pas ce qu'il a voulu écrire. Werner ou autre chose, Werther, Wertheimer. Ou peut-être bien vernissage. Et si vous osez m'affirmer que ça prend un V, je vous dirais que vous manquez d'objectivité. De toute façon, je ne sais pas comment ça s'écrit. Une petite minute. Pour une fois, la chance est peut-être avec nous. Tu es mort, ordure. Tu entends ? Mort ! Et ça continue. Maintenant, c'est le coup du gaucher. Vous ne pouvez pas nier que Martin était gaucher. Alors pourquoi aurait-il écrit de la main droite en mourant? D'après moi, c'est simple. C'est parce que c'est l'assassin qui a écrit W-E-R, de manière à détourner les soupçons sur Werner. Ensuite, il a mis le stylo dans la main droite du mort. C'est convaincant, avouez. Werner Bubeck devait bien savoir que son copain était gaucher. Ils travaillaient ensemble sur ordinateur. Ça veut dire que la souris devait être placée à gauche et pas à droite. Ça devait se remarquer. Sans doute. Il faudrait que je creuse ça. Et pour ce qui est de Jeko, je vais placer sur écoute la cabine téléphonique du Blue Internet Café. Et moi, je vais déposer une demande de remise en liberté pour mon client. Je ne vous ai pas promis de vous appuyer. On va d'abord voir ce que ça donne avec ce Jeko en question, si on arrive à le choper. Je vais dans la cabine téléphonique. T'es en place? Oui, fais attention surtout. Je te rappelle qu'il a un couteau. Mais non, c'est un cure-dent. Tu me chies, mais pas trop près, t'entends? Parce que si ce gars-là est fou, il n'est ni bête ni complètement miro. Parce que moi, je suis idiot, peut-être. Tu l'as dit. Ensuite la camelote. Ça marche? On se retrouve au restaurant La Tarentelle, tu connais? Ouais. Deux hommes à La Tarentelle. 12-24, deux hommes à La Tarentelle. Maintenant, assez causé. Tu prends ta caisse et tu fonces direct à La Tarentelle. Et souviens-toi, pas d'embrouille. Ici Vos. Attention, Jeko vient de monter à l'arrière de la voiture de Matula. Manquait plus que ça. Vos! Vous les suivez s'il démarre. On a le temps de prévenir Matula? Non, c'est trop tard. Ne bouge pas. Pas la peine de mettre le contact. Tu me files les disquettes en vitesse et après je me casse. Donne-les. Dis donc, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Tu crois que j'ai les disquettes sur moi? Ah non? Tu as dit que tu avais la camelote. J'ai d'abord dit l'argent et ensuite la camelote. Et tu ne m'as toujours pas proposé un prix. Où sont les disquettes? Mais t'es drôle, veux-tu qu'elle soit chez moi? T'attends le déluge ou quoi? Démarre! Ils sont dans la Wormerstrasse. Une minute. Ils tournent en direction des docks. Qui va te les racheter, ces disquettes? C'est pas ton affaire. Et Martin? Martin Comeback? Il voulait te doubler et négocier sans ton aide? Je le retiens, lui. Il voulait me doubler avec son copain, seulement on me l'a fait pas. Son copain? Werner Bubeck? Toi, tu poses trop de questions. Ils sont tous de mèche, tous autant qu'ils sont. La fille est avec eux, elle aussi. Comment? Céline aussi? Alors, on est encore loin? On est arrivé! Terminus, tout le monde descend. C'est la fin du voyage, bonhomme. Et la fin de la partie aussi. Bouge pas, tu vas te faire mal. Besoin d'aide? Pour qui? Pour lui? Joli travail, Matula. Y a plus qu'à prendre le colis.
Ce toquet m'a dit quelque chose qui m'a ouvert de nouveaux horizons. Je dois retrouver Céline et lui tirer les vers du nez. Je ne comprends pas que tu te sois mis une idée pareille en tête, c'est stupide! Ça n'a rien de stupide de vouloir empocher une telle somme d'argent. C'est une manne, ces disquettes. Selon les garçons, on doit en tirer au moins 50 000, peut-être plus. Peut-être même le double, t'imagines? Avec cet argent, on pourrait... Oublie l'argent. La police a un meurtre sur les bras, enfin. Et elle pourrait nous soupçonner. Pourquoi tu t'inquiètes? Son assassin est là. Werner Bubeck n'a pas commis ce meurtre. C'est un gentil garçon. Oui, un gentil garçon. Comme tous les garçons du même âge. Oui, tu cherches quelque chose? Excusez-moi, je voulais simplement savoir si je pouvais venir au cours. Celui de kickboxing, ça a l'air sympa. Je peux y assister? Si tu veux, oui. Nous avons déjà examiné cette éventualité. Monsieur Jekko Karner a un alibi. Mais il a pu se le fabriquer de toutes pièces. Non, c'est un alibi solide. Le commissaire Dietrich l'a vérifié. Au moment du meurtre, il était à 100 km d'ici. Il y a certainement des complices prêts à le couvrir au besoin. Maître, s'il vous plaît, vous ne plaidez pas cette affaire aujourd'hui. Je m'efforce seulement de corriger les interprétations tendancieuses de monsieur le procureur. Je pense être en mesure de me faire tout seul ma propre opinion. Continuez. Le jeune Werner s'est accroché avec Martin Kombach. Ils ont eu une violente altercation dans la semaine au sujet d'une somme d'argent. Nous avons donc en A, le mobile du meurtre. Nous avons en B, l'opportunité de commettre ce meurtre. Et en C, aucun alibi vérifiable. Et on peut ajouter à tout ça que Werner Bubeck a tenté de fuir quand la police est venue l'interroger. Alors pour toutes ces raisons, je pense que ce serait une erreur de remettre en liberté votre client, Maître Voss. C'est vrai que mon client s'est disputé avec Kombach. Je vous le concède, ils avaient des vues divergentes sur une affaire. Mais ce qui est troublant, c'est le rôle que jouait Jekko Karner dans cette affaire. Et aussi qu'il avait de meilleures raisons de tuer Martin. Mon client a d'ailleurs peur de subir des représailles, étant actuellement incarcéré au même endroit que ce Jekko. Je ne vois pas en quoi ça innocente votre client, qu'il ait peur de cet individu. Je vous écoute, maître. Avez-vous d'autres points à évoquer? Non. Dans ce cas, la demande de mise en liberté de votre client est rejetée. Monsieur Bubeck demeure en détention. Rejeté? Alors quoi, est-ce que ça veut dire que je repars en prison? C'est pas moi qui ai tué Martin. Dites-le leur, maître. On va se battre. Salut. Dis donc, tu connais Céline? Céline, c'est un drôle de numéro. Vous lui voulez quoi? Lui parler, c'est tout. Vous dites tout ça. La nuit, c'est que pour vous, parler, ça signifie surtout ploter. Oh, je sais plus ce que ça veut dire, ça. Alors, dis-moi, je peux la trouver. Elle habite tout près d'ici, sur Schillerstrasse, numéro 10 ou 12, avec sa mère, Koviak. Ah, merci. Petra, oui. Elle n'aime pas trop son prénom. Son frère l'avait transformée en Pity étant jeune. Merci, non. Seulement, depuis sa mort, elle a décidé que ce serait Céline, rien d'autre. Elle avait un frère? Oui. Et tous les deux, ils s'adoraient. Mais il s'est suicidé, vous voyez. Je n'ai jamais su pourquoi il voulait en finir. Je me pose sans cesse la question. Oui, je comprends. Céline n'est pas ici? Non, elle n'est pas rentrée hier soir. Elle découche souvent, je sais bien. Mais cette fois, ça m'inquiète un peu. Je sens que quelque chose cloche. Je serai rassurée de savoir où elle est. Madame Koviak, si vous avez des nouvelles de votre fille... Helga, vous pouvez vous occuper de ça avant de partir? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben alors Helga, il vous fait faire des heures sup aussi? Tu as du nouveau pour moi? Je suis à la recherche de Céline. Je suis sûr qu'elle sait quelque chose et qu'elle se tait. Pourquoi tu crois ça? J'ai rencontré sa mère tout à l'heure. Son fils, c'est-à-dire le frère de Céline, s'est suicidé. Il avait le même âge que Martin et Werner. Je ne pas croire que Céline connaisse l'assassin. Et ne le disent pas à la police. Oui, Helga? Oui, d'accord, passez-le-moi. Et rentrez bien, surtout. Voss à l'appareil. Ah, bonjour, monsieur Tindler. Que puis-je faire pour vous? Non, ça ne m'ennuie pas. On va passer vous voir à la salle. À tout de suite. Paul Tindler veut nous parler, et apparemment, ce serait important. Et on y va.
Allô, qui est à l'appareil? Ça recommence. Si c'est encore un coup de fil de détraqué sexuel, alors allez-y, j'adore ça. Tu sais qui c'était? Tu crois que ça a un rapport... un rapport avec les disquettes? Non, je crois pas. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. En fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qui, moi? Quand? Ce soir, juste avant que Céline n'arrive. Rien. On peut entrer? Oui, bien sûr. Madame Zindler? Bonsoir. Venez dans le bureau. Bonsoir. 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 Je peux vous offrir un verre? Non, merci, je ne veux rien. Vous vouliez me parler, alors... Oui, c'est parce que on a fait une bêtise, je crois. Laisse-moi leur parler. Le jeune Boubek, Werner... Il était un peu amoureux de moi. Je dis un peu, mais c'était plutôt beaucoup. Au départ, j'ai vu ça comme une petite toquade de jeune garçon romantique. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas parlé à Paul. Je pensais que ça lui passerait. Je n'ai pas pris la chose au sérieux. Ça l'a vexé. Et pour m'impressionner, il m'a dit qu'il devait toucher un gros pactole. Je me suis moquée de lui. Ça l'a rendu furieux et du coup, il a parlé de fichiers sur disquette. De la formule d'un nouveau produit phytosanitaire que Martin et lui avaient piraté sur le serveur d'une boîte. Et il y a des gens qui paieraient des millions pour mettre la main sur cette formule. Ça représenterait une grosse économie pour eux. Oui, et je suppose que Martin et Werner l'avaient compris. Laisse-moi finir. Le soir du meurtre de Martin Kombach, vers 11h, Werner est venu ici. Il avait réussi à se faufiler ici sans faire de bruit. Je l'ai aperçu dans le vestiaire, ranger des disquettes dans le fond de son casier. Je serais totalement incapable de vous dire pourquoi j'en ai fait des copies après, mais... sachant tout l'argent que ces fichiers représentaient, j'ai pas pu m'en empêcher. Et je m'en veux vraiment. Oui, mais dans le fond, c'était pas du vol. Ces casiers nous appartiennent. C'est normal qu'on les ouvre. Est-ce qu'on peut espérer une récompense? C'est ça, et puis quoi encore? J'imagine que du coup, Werner sera inculpé. C'est ce qui lui pend au nez. Maintenant, le procureur dira qu'il a tué et ensuite volé les disquettes en espérant les vendre. Eh bien, partons. Madame Zindler, pourquoi vous nous avez raconté ça? Il fallait que je vous le dise. C'est mieux pour Werner. C'est un garçon que j'aime bien. C'est pour ça que je m'étonne que vous l'enfonciez de cette manière. Bonsoir. Tu croyais que tu pouvais sortir Boubek de là? Je suis sûr qu'il est innocent, seulement comment le prouver? Il faudrait voir Céline et la cuisiner. Tu penses qu'elle est mêlée à tout ça? Je m'interroge. J'ai l'impression qu'il doit rester des zones d'ombre. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Martin est mort, Céline a disparu, Werner se retrouve en prison. Et on a maintenant les époux de Zindler qui en remettent une couche. C'est ça, oui, maintenant. Autre chose, arrangez-vous pour être seul. Croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Ah, je suis bête, zut. J'ai oublié que je devais bosser sur mes enchaînements, chercher des nouveaux exercices. Tu m'en veux pas si j'y retourne? Rentre à la maison. Ne te fatigue pas trop. Curieux de savoir ce que tu as de si important à me dire pour que tu ne puisses pas le remettre à demain. Pourquoi vous avancez dans le noir? Est-ce qu'on pourrait en finir vite? Ma femme va s'inquiéter si je m'attarde trop ici.
Arrêtez un peu de jouer les braves maris fidèles, c'est du vent. Je suis Petra Kowiak. Petra, comment ça Petra, je croyais... Kowiak, ça ne vous rappelle rien? Robert Kowiak, mon frère, qui s'est suicidé par votre faute. Mais ça ne vous a pas suffi. Après mon frère, vous vous en êtes pris à Martin Comeback. Avec lui, vous avez tout recommencé. Du moins, essayé. Mais lui ne s'est pas laissé faire. Tu es malade, ma pauvre. Il faudrait te faire soigner. Si tu oses répéter ce que tu viens de dire... C'est vrai, je peux le prouver. C'est pas la peine de me raconter des salades. J'ai fait une vidéo où on vous voit tripoter des garçons. Oui, là-dedans, on voit tout. Les gens comprendront ce que vous êtes. Une vidéo, ça ne prouve rien aux yeux de la loi. Tu n'as rien contre moi, rien. C'est pour ça que je suis pas allée tout raconter aux flics. Mais tu ne t'en tireras pas cette fois, parce que je vais te descendre. Je vais te tuer, oui. Ne crois pas que parce que je suis une fille, je vais flancher. Je suis peut-être qu'une gamine, mais je t'abattrai comme un chien. Je voulais pas ça. Et crois-moi, je voulais pas que ton frère meure et... Je suis désolé. Maintenant, dis-moi où tu as planqué la cassette. Où est la vidéo? Réponds! Il faut continuer à fouiller. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans cette affaire. Mais quoi? Ça, je peux pas le dire. Madame Kowiak? Il fallait que je vous voie. Je suis perdue. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Depuis une heure, je n'arrive pas à me décider. J'ai voulu vous téléphoner, mais c'était toujours le répondeur. Alors, je me suis dit, autant aller chez vous. D'accord, attendez, j'ouvre la porte. Voilà, Maître Vos, Madame Kowiak. Céline m'a téléphoné. Ah ben, tout de même. Elle voulait que je lui apporte une vidéo. Une vidéo de quoi? Je n'en sais rien. Où est Céline? Ça non plus, je n'en sais rien. Mais je crois qu'elle a des ennuis. Comment vous allez lui apporter ça si vous ignorez où elle est? Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Sa mobilette est sur la place Eisernon, devant la cabine téléphonique. Et je suis censée mettre la vidéo dans sa sacoche et repartir ensuite. Que dois-je faire? Bah déjà voir ce qu'il y a là-dessus. Non, Céline m'a défendu de la regarder. Elle nous a rien défendu à nous. On va voir ça tout de suite. Céline a enregistré ça, mais pourquoi? Comment le saurais-je? Votre fils s'est suicidé, c'est bien ce que vous m'avez dit. Il connaissait Paul Tindler? Peut-être, je ne sais pas. Robbie était un garçon sensible et plein de pudeur. Quand je pense que ce pervers... Il faut retrouver Céline. Oh. Ouais. Je fais le tour en voiture. Où est Tindler? Je sais pas, faut l'utiliser. Vite, à la salle de sport. J'espère que Céline n'a rien tenté toute seule. T'as rien de plus rassurant à dire?
Tu me suivais partout. Alors tu m'as espionné. Oui, tu m'as espionné et tu as tout filmé. À défaut de t'envoyer en prison, je sais qu'avec ça, personne ne voudra plus s'entraîner dans ton club pourri. Cette vidéo, qui l'a vue? Tu l'as déjà montrée ou pas? C'est toute la question. Elle est où, ta caméra? Où est-ce que tu l'as planquée? Faut chercher. Fouille. Fouille. Je veux cette caméra, celle avec laquelle tu m'as filmé. Où est-ce que tu l'as planquée? Où elle est? Dis-moi où tu l'as planquée! Sa mobilette est là. Où est la caméra? Lève-toi! Debout! Et dis-moi où est la caméra! Il doit y avoir une autre entrée. Je peux pas te laisser repartir. T'as été trop loin avec ta vidéo. J'ai pas le choix, je dois en finir! Allez, tire! Vas-y, tire! Tu tires! Tindler! Non, ne faites pas ça! J'ai essayé. J'y arrive pas. Je peux pas tirer sur quelqu'un comme toi. Tu n'es encore qu'une enfant. Oui, c'est encore une enfant. Tout comme Martin Comeback. Et tout comme Werner Boubeck que vous avez envoyé moisir en prison. C'est vous qui avez écrit W.E.R. par terre pour qu'on pense que c'était Werner qui avait tué Martin. Il voulait me faire chanter. Il m'a dit de passer le voir chez lui. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Je te ferai payer dans tous les sens du terme. » Lâchez votre flingue. Lâchez-le. Yannès, appelle la police. Lâchez votre revolver. Personne ne va appeler la police. Barbara, pourquoi tu fais ça? Il faut bien que je veille à ce que tu ne fasses pas de bêtises. En tout cas, plus de bêtises. Restez où vous êtes. Arrêtez, vous êtes dans une impasse. Donnez-moi votre arme. Vous ne pouvez pas tous nous tuer. Et pourquoi pas? Qui m'en empêchera? Vous? Barbara... Ne t'en mêle pas. Je vais tout arranger. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire que deux ou trois fois par an, tu ailles voir ailleurs? Ces garçons ne t'empêchent pas de m'aimer. Avec eux, c'est que pour le sexe. Tu savais. Tu l'as toujours su. Oui, je le sais depuis le début. À cause de lui, mon frère est mort. Ton frère était un petit crétin. On n'a pas idée de se faire exploser la tête à cause d'une histoire de fesses. Il m'a écrit un mot pour que je sache pourquoi. Il disait « La vie est un enfer, tout est sale et je n'arrive plus à supporter toute cette boue. » Arrête, Barbara, arrête. À quoi bon? Martha Comeback se moquait de moi. Je l'ai supplié de ne pas démolir ma vie en racontant tout. Et lui, il marionnait. C'était pire qu'une insulte. Et il m'a dit que je n'aurais plus d'élèves parce qu'il allait le dire aux gens. Tais-toi, Paul! J'ai pas voulu le tuer. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait. Vous, silence! Je ne me souviens de rien. Je tenais une haltère, et puis, il y a eu du sang partout. Jamais je ne vous laisserai le détruire en l'obligeant à s'expliquer. Bougez plus! Madame Tindler. Je voulais le sauver. Aider Paul pour qu'il s'en sorte. Maintenant, je ne peux plus rien pour lui. Tôt ou tard, vous l'auriez soupçonné, alors il a fallu que j'oriente l'enquête sur Werner Boubeck. Votre mari a tué quelqu'un. Vous étiez au courant. Et vous vouliez qu'un innocent aille en prison à sa place. Vous n'avez aucune excuse. Allez, le commissaire, s'il vous plaît. Céline, c'est gentil d'être venue l'attendre. Werner va être content. Mais qu'est-ce que vous imaginez encore?
On est seulement copains, lui et moi. De bons copains, mais c'est tout, pas plus. Je n'imaginais rien du tout, mais je prends bonne note de la remarque. Ah. Oh. Salut. Werner, t'as eu de la chance, mais tu devras répondre de piratage de fichiers. Je sais que je peux compter sur votre compétence. Vous réglerez ça au mieux. Je sais que je peux compter sur votre compétence. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils se fichent un peu de nous. Sois cool, espèce de vieux grincheux.